Maman, merci maman, on nous fait signe que le live phone a trop de bruit et il y a trop de problèmes. Ah, okay. Mais que Dieu te bénisse, les amis, dans le peu de minutes qui nous restent, tu peux appeler même sur le portable. Voilà. Comme voilà. Ça nous complique là-bas, tu peux donc appeler sur le portable et nous prierons en ta faveur. Qui parlait là Oui, le pasteur qui... Ouais, j'étais en train de dire que, vous savez, le cercueil est fabriqué par des bois. Par les bois. En principe, si vous allez même il est fait du là bois. Où dans l'hydroélectrique de Inga, vous mettez un bois sec, ça ne passe pas. Le courant ne passe pas. Non, non, non. Ok. Le courant ne passe pas. Mais pour dire qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que... Rebobine encore. Rebobine encore. Donc, je t'ai dit que le cercueil est fabriqué par le bois. Le bois, ne transmet pas le courant. Quand vous allez même au barrage hydroélectrique de Inga, vous mettez le bois sec là, le courant ne passe pas. Ne passe pas. Vous ne serez pas atteint par le courant. Il mais il y a quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Wow, qui est tellement puissant, triple puissant. Oulala. Quand il touche, il y a toujours. Il a transmis cette onction-là. Ouais. Cette puissance-là est entrée même dans le bois sec. Mon Dieu. Pour toucher l'enfant et lui donner alors la vie. My God. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un. Même si tu es un bois sec, mais Jésus peut te donner la vie. Non, la Bible dit ceci, papa, non, pasteur. Non, non, la Bible dit ceci. Hein. Un arbre, quand il est coupé, même s'il commence à devenir sec, il a de l'espoir. Il a de l'espoir. Il a de l'espoir. Comment? À l'approche seulement à l'approche des eaux. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un. Alléluia. L'eau s'approche. Alléluia. L'eau est proche. Alléluia. L'eau est proche. Alléluia. L'eau va te toucher. Maintenant, là, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oulala, oulala, oulala. Le problème est qu'on veut t'enterrer sans la permission de Jésus. Le problème est qu'on veut. On veut t'enterrer. Trop vite. Trop vite. Trop vite. Qui les a donné la permission de te transporter? Alors que le dernier mot lui revient. Lui revient. Mais pourquoi? C'est que ces gens ignoraient. Eux qui se préparaient pour t'enterrer. Pour t'enterrer. C'est qu'ils ignoraient que ton maître. Ton créateur, celui qui protège ta vie, voilà. Ne dort ni ne sommeille. Ne sommeille. Il vient, comme a dit avec le pasteur, ni avant, ni après. Mais on time. On time. Et ce soir, c'est le temps que le Seigneur a préparé, voilà. Qui rencontre sa vie, yes, le pasteur Zoubila. Et ils ont oublié que tu étais l'unique. Tu étais l'unique. L'unique par rapport à ta bénédiction. L'unique par rapport à ta taille. L'unique par rapport à ta masse. L'unique par rapport à ton intelligence. L'unique par rapport à tout ce que tu fais. Et tu te croises avec l'unique. Celui qui t'a fait unique se croise avec l'unique. L'unique de son père. L'unique de son père. L'unique de sa fille, de sa mère. Et l'unique de son père. Quand ils se croisent, quelque chose se passe. Laisse-moi te dire, nous parlons aux uniques. Alléluia. Tu es l'unique par rapport à ta bénédiction. Appelle même sur le portable. Tu es l'unique par rapport à ta bénédiction. Nous parlons à qui? Nous parlons aux uniques. Aux uniques. On ne parle pas à n'importe qui. Nous parlons aux uniques. Amen. C'est la raison pour laquelle tu es trop attaqué à cause de ton identité. Voilà. Tu es unique. Unique. Tu es unique. Alléluia. Tu n'as pas de jumeaux, tu es unique. Non, non, non. Il n'a pas de jumeaux. Il n'a pas de jumeaux. Parce que je vois, tu me regardes avec un œil qui a Alléluia. Yes, pasteur Ndinga, il nous reste quelques minutes. Je ne veux pas dire que les ténèbres de ta vie ne régneront jamais. Jamais. Non, amen. Non, jamais toujours. Parce que ce ténèbre rencontre aujourd'hui cette lumière-là. Et quand il y a la lumière, le ténèbre va partir. Il va dissiper. Il va se dissiper. Cette maladie rencontre maintenant la guérison. Nous prenons la dernière personne, je crois. Allô, Colin? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, serviteur. Vous nous appelez d'où est votre nom, s'il vous plaît? J'appelle le Lons. Mon nom, c'est le frère Mike Encol, le fils de Ming Zumbila. Yes, Mike, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Je viens juste témoigner la grandeur de ce Dieu, le Dieu que mon père sert, que moi aussi je sers à ses pieds. Amen. Je vis sa grandeur, je vis sa puissance hier, pendant l'accouchement de ma femme. Le Seigneur nous a fait la grâce à travers la parole de son serviteur. Ma femme avait accouché d'un très beau garçon hier. Hier, nous avons été visités par la puissance de ses dieux. Ma femme avait des contractions pendant un bon moment, mais mon père, le pasteur Menzoumila, qui est au milieu de vous, nous avait dit que ma femme accouchera avant 17h. Et à 16h35, nous avons vu la gloire de Dieu. Amen. Nous avons été visités par ses dieux. Nous les remercions pour la venue de ces beaux garçons. Thanks, Michael. Quel est le nom de Mike que je suis, moi-même. Je bénis le Seigneur pour la grâce.
Merci, merci Michael pour ces grands témoignages. Les amis, nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous tenons à informer à toute la communauté francophone que la communauté est en deuil. Nous avons perdu un de nôtres. Il était à la fois un pasteur, un musicien, et c'est un frère qui a béni toute la communauté. Voilà. En fait, il a été dans toutes les églises. Toutes les églises. Pour, des fois, accompagner la musique, former le musicien. Et le frère Michel, Michael, et la plupart l'ont connu sous le nom du prophète, qui prophétisait avec sa guitare, nous a quittés depuis hier. Et pour ceux qui veulent bien se retrouver ensemble avec nous, toute la famille, nous allons nous retrouver demain soir dans l'église dirigée par le pasteur José à Catford, où nous allons ensemble préparer pour célébrer ensemble sa vie. Donc n'oubliez pas d'être là, nous serons à Catford sur 47 Rashi Green, à Catford, London SI 6, 4AS. Donc, vous pouvez donc m'appeler et je vous donnerai de plus en plus d'informations. C'est en face des Aldi, non loin de Lewisham Hospital. Il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le dernier mot? Yes, Pasteur Malou. Non, nous voulons juste dire que Jésus se présente à la sortie de ta vie. Il entre à la sortie de ta vie. Ça signifie que si tout est limité, tout est désespéré, mais il y a encore de l'espoir avec Jésus. Il y a encore de l'espoir. Merci. Et c'est très important que nous comprenions cela. Merci, il y a encore de l'espoir. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à la même chaîne, même heure. God bless you for tonight and goodbye. Bye-bye. Bye.